croisés. La première émission intergénération. Aujourd'hui dans Il faut que je laisse se passe, les jeunes d'essor du petit bar racontent leurs souvenirs passés en compagnie des résidents du foyer Adoma de la Payade. Présenter les papiers d'Adoma. Je connais pas comment ils s'appellent, mais je peux vous les décrire. Je connais un qui a une casquette blanche. Il n'est pas très grande taille, il est petit de taille. Il est blanc de peau. Et je sais qu'il a un survêt blanc. Il y en a un, il a les cheveux blancs, une casquette la marque Mercedes, et un pantalon marin et un haut. Au Maroc aussi, il nous a raconté une blague. C'est, il y a le noir et le blanc vient, le noir ne vient plus et c'était les cheveux qu'on vieillit. J'en connais un avec des chaussures noires, avec un costard et des lunettes de soleil et un chapeau. Il a un peu de cheveux noirs, il avait une veste, un pantalon noir et il avait des sandales noires. Il y en avait quatre qui s'appelaient Abdelkader. Que pensez-vous du foyer ? Le foyer, il m'a beaucoup plu. Parce que les papis, ils sont très sympas avec nous. Ils savent décrire beaucoup de choses. Mais pour moi, il est bien ce foyer. Moi, j'ai aimé le foyer parce qu'il y avait des animaux. Il y avait un chat, il était gentil, on jouait avec lui. Après, dedans, j'aimais parce que les papis, ils nous racontaient tout. Et il nous a montré sa chambre. Il a des cheveux blancs, un bas marron et un haut blanc. Et c'était petit, ils n'avaient pas de la place et c'était cher, 311 €. Moi j'ai bien aimé le foyer. J'ai bien aimé parce que c'est grand et il y a des animaux. J'ai bien aimé le foyer car il y avait beaucoup d'animaux comme le chat, le ragondin, les canards. Et surtout, j'ai bien aimé les papiers parce qu'ils étaient vraiment gentils avec nous. Et il y en a un qui nous a montré sa chambre. Ils n'ont pas beaucoup de place et c'est très cher. Pouvez-vous les comparer à vos grands-parents ? Oui, ils sont presque comme mes grands-parents. Ils ont des cheveux blancs. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de dents. Certains sont petits de taille, certains sont grands. Bah, je pense qu'il ressemble vraiment à mes grands-parents. Il s'appelle Abdelkader. Mon grand-père, alors qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Abdelkader là-bas. Et j'ai même de la famille là-bas, mais c'est tout. Moi, il y en avait un, il était petit de taille. Il ressemblait à mon grand-père. Mais mon grand-père, il est un peu grand de taille. Il lui ressemble dans la forme. Et il était gentil avec nous. Il ressemble à mon grand-père, le père à ma mère. Il s'appelle, j'ai oublié, parce que je ne l'appelle pas par son prénom, mais il ressemble trop à mon grand-père, je l'aimais bien. Et les autres, il était chauve, il ressemblait à le père à mon père, il lui ressemblait trop. En plus, il faisait sa taille, mais lui, on dirait qu'il est jeune. Mes grands-parents, ils sont au Maroc, mais ma grand-mère, elle est venue, mais elle est partie il y a 2 mois. Mais c'était bien avec eux. Mes grands-parents, ils habitent au Maroc et mon grand-père, il s'appelait Mohamed. Il y a un vieux qui ressemble à mon grand-père, qui s'appelait Mohamed. Et le vieux, il s'appelait Alal, au foyer. Et il ressemblait vraiment à mon grand-père. Il faisait la même taille, il avait les mêmes cheveux. Mais ce qui changeait, c'était la barbe à l'homme qui était au foyer. Il avait une barbe et mon grand-père, il n'en avait pas. Qu'avez-vous appris de leur jeunesse ? J'ai appris qu'il y avait pas, à leur âge, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Et c'était dur de se nourrir. C'était compliqué de vivre à l'époque en Algérie et au Maroc. Ils n'arrivaient pas beaucoup à vivre, mais j'en connais un qui a bien vécu. C'est un Tunisien,
Il sait bien parler le français. Il a fait beaucoup d'études ici, mais presque les autres, ils ont mal vécu. Mais maintenant, ils vivent bien dans le foyer. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sous, mais c'était moins cher que maintenant. Et il y en avait un qui nous a raconté que maintenant, il gagne par mois 60 euros, mais il vit avec, mais il envoie des sous au Maroc. Mais je sais, ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité, tout est moins cher que maintenant. Et on travaillait jusqu'au soir, mais il n'y en avait que un ou deux qui ont eu le chômage, mais les autres, ils n'ont pas eu. Il y en a un qui nous a dit qu'il ne peut pas porter 10 kilos. Il aura mal au dos quand il porte 10 kilos et il bricole un peu. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent et il n'y avait pas aussi beaucoup de voitures et il ne pouvait pas faire la douche. Alors, il faisait dans des rivières. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, il ne gagnait pas beaucoup de sous, mais c'était moins cher que maintenant. Et un monsieur, il habitait en Algérie, il nous a dit que les douches, il n'y en avait pas. Il se nettoyait soit à la rivière, ou soit il prenait des marmites, et il mettait beaucoup d'eau chaude, et après il faisait des douches dans une salle où il y avait un monsieur, il se nettoyait, il habitait à la montagne. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, il se nettoyait avec des tomates. Hé, hey, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture. Regarde, Bill, elle s'en va. Monte, Bill, elle mouille. Hé, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Ami Karim, tonton du bled. Tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt. Bled ou bledi. Bled. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilel, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zidzitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au beaucoup couscous de Yema. Et mon cousin me dit Karim, kiff le zetla. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit moi je t'ai pas vu fait télévision. Et l'autre me demande ça hâte à Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerai tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon trois quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Wow.
doit beaucoup travailler dans la maçonnerie. Il travaille souvent dans les bâtiments. Il travaille pas comme exemple architecte, chirurgien. Ils n'ont pas fait des bons travaux professionnels. Mais au moins ils gagnaient 3 francs. Il y en a qui gagnaient 3 francs par jour. Il y en a qui étaient au moins bien payés. Ils gagnaient 300 francs par jour. Il y en a qui gagnaient 4 francs par heure. Ça, c'était bien, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il y en a qui travaillent sur un métier. Il y en avait un qui a travaillé beaucoup de métiers, mais il ne gagnait pas beaucoup, même s'il change de métier. Et avec 4 francs, ils peuvent manger à midi. Et nous, avec 4 francs, tu ne peux pas. Il te faut plus que 10 francs pour manger. Ils arrivent à vivre avec tout ce qu'ils ont. Ils envoient au Maroc à leur mère et père. Et il y en a qui nous ont dit, il a dit qu'il envoie à ses soeurs et à ses parents. Il vivait avec, il a dit qu'il prend un peu de sous, mais tout ça qui reste, il envoie au Maroc pour y vivre. Il y avait un monsieur, il travaillait à la pâtisserie, il faisait boulanger. Il y en avait un autre qui travaillait une semaine le matin. La deuxième semaine l'après-midi et l'autre semaine le soir. Ça s'appelait 3-8. Et il y en avait un autre, il ramassait le pétrole ou je sais plus. Qu'avez-vous apprécié cette semaine? J'avais beaucoup apprécié parce qu'ils étaient très gentils avec nous. Ils étaient sympas. J'ai beaucoup apprécié. Moi j'ai bien aimé parce que Les vieux, ils nous ont fait quand on était comme leur enfant, ils nous ont raconté toute leur vie et ils disaient tout. Ils sont timides et ils aimaient les enfants, mais il y en avait qui ils n'arrivaient pas à rester. Ils partaient, ils restaient 30 minutes après, ils partent, ils reviennent parce qu'ils étaient stressé parce que le premier jour c'était bien stressé, mais après il nous a connus. Après il restait jusqu'à fini. Après ils sont, mais il y en avait qui n'étaient pas là, ils étaient que le dernier jour. Moi j'ai bien apprécié parce qu'ils nous racontaient toute leur vie de l'époque, et il y en a qui partaient et revenaient, ils étaient timides. Et il nous a raconté comment ils jouaient quand ils étaient à l'époque, chez eux au Maroc. Aussi, on posait beaucoup de questions, ils nous répondaient beaucoup. Qu'avez-vous pensé de l'activité radio? J'ai beaucoup aimé. Le matin, on s'est préparé, on préparait les questions. L'après-midi, on allait leur poser les questions. Et après, on les a enregistrées avec un micro et on passait devant tous les papiers pour qu'ils disent, pour qu'ils racontent. C'était bien parce que l'après-midi, il y en avait qui tenaient le micro, il y en avait tout le monde faisait un petit tout, chacun faisait un truc. Et les papiers nous ont répondu aux questions. Personne n'a dit non, ils disaient, même s'ils ne savent pas, ils disaient un truc. Et ils nous racontaient leur vie et tout, c'était bien. Et des trucs qu'on ne savait pas, ben, ils nous le disent. Moi, c'est bien la radio, parce que le matin, on écrivait les questions et l'après-midi, on partait au foyer pour poser les questions aux vieux. J'ai bien aimé l'atelier radio Clapas, parce qu'on va passer au journal, on passe à la radio. Aussi, j'ai bien aimé parler avec les papis et leur poser les questions. Pouvez-vous nous chanter une chanson en arabe? Je ne sais pas vraiment chanter, mais j'en connais pas trop parce que j'arrive pas à les chanter. Al-barah, kan andi 20. Hier, j'avais 30 ans. Que pensez-vous du petit bar et de la paillade? J'aime beaucoup le petit bar et la paillade, mais le petit bar, je pense que ça a été construit bien avant. Ça a été construit en 1965. La tour, elle était aussi construite en 1955. La tour H, là, qui est maintenant, elle est détruite. Ils vont mettre un autre bâtiment à sa place, de deux bâtiments de 5 étages.
ils vont détruire les bâtiments de la grande cour des immeubles de 10 étages, ils vont les détruire. C'est là-bas qu'il vit mon grand-père, mais il va déménager. Mais c'est il y a deux écoles là-bas, une qui s'appelle Louis Armstrong où j'étais avant et une qui s'appelle Joseph Delteil. Il y a un marché, il y a beaucoup de magasins, des boucheries, des boulangeries, des magasins où on vend des bonbons, des fruits, des légumes, des épices, où on vend plein de choses. Et la paillade aussi, elle a une grande tour, elle est plus grande que celle du petit bar. Elle fait 20 étages, alors que celle du petit bar, elle faisait 18. Mais moi, je trouve que la paillade, c'est plus grand que le petit bar, parce que moi, avant, j'habitais à la paillade. Il y a beaucoup d'écoles par rapport au petit bar. Il y en a au moins 5 des écoles. Il y a un collège qui s'appelle Arthur Rimbaud. Le petit bar et la paillade, c'est bien, mais c'est le problème, c'est que c'est sale. Mais dans pas longtemps, on espère que ça va changer. Les Chibani, ils ont presque toujours vécu à la paillade. Comme ils étaient venus vers 1970, même plus, 80, et c'était propre. C'était pas comme aujourd'hui. Ils trouvaient ça très, très bien. Mais eux, ils aiment beaucoup vivre à la paillade. Ils viennent tous presque du même village. C'était Il faut que jeunesse se passe. Une émission réalisée par les jeunes de l'association Essor du Petit Bois, avec les résidents du foyer Adoma de la Paillade. Mon croisé, une série d'émissions réalisées par le Pige Radio Clapas, avec le soutien du CUCS de Montpellier et de la Fondation Orange.